écoutez Koé, c'est bien. C'est bien. Le voir, c'est mieux. Ouais, allô, j'écoute. Oui, c'est Mamadou. Ouais. Bonjour Mamadou, je me présente, je m'appelle Camille. Je suis désolée de te déranger, on se connaît pas trop encore en fait. Comment te dire ça, c'est Franck qui m'a filé ton numéro. Franck qui travaille dans les salons de cuisine. Exactement, voilà, qui bosse D'accord. avec toi. Je vais être très cash, hein. Je vais pas te faire perdre ton temps Mamadou, mais j'ai complètement en fait craqué sur toi. Voilà, je suis venue au resto déjà 2 fois. Et du coup, je t'ai aperçu, je sais que t'es cuisinier là-bas et je sais pas, je t'ai trouvé hyper canon, hyper sexy, hyper tout. Et je me suis dit, voilà, faut que je trouve son numéro, faut que je l'appelle et faut que je fasse connaissance avec lui. Ah ok, ça me fait beaucoup plaisir quoi. Ah c'est vrai? Ah ouais. T'es célibataire toi, Mamadou ou... Ouais, je suis célibataire, pas des soucis. D'accord, ok, parce que Franck il m'avait dit je crois qu'il a quelqu'un et tout, donc c'est pour ça que je savais pas trop. Mais ah du non, coup, non, c'est pas vrai, je suis célibataire. D'accord, cool, et ben c'est génial, du coup t'es ok pour me rencontrer, y a pas de soucis. Ouais, mais d'abord dis-moi un peu comment tu es quoi. Alors moi, je t'aimes les blondes ou les brunes? Parce que oui. Moi, tout me va. Franchement, tout me va. D'accord, parce que moi, je suis blonde. Voilà. D'accord. Je suis blonde, je suis assez grande. Voilà, plutôt fine. Oui. J'ai les cheveux longs. Oui. Tu veux savoir quoi d'autre? Dis-moi comment tu es habillée, quoi. Ah, comment? Là, en ce moment. Moi, je porte que des jupes, quasiment. Jupes avec talons ou petits shorts avec talons. Voilà. Ah, d'accord. J'ai de très jolis seins aussi. Ah, ça, c'est sympa, ça. Et dis-moi, quelles font la taille de tes lolos? Et je fais du 95C. Ah, ouais, faut non, pas avoir peur. Hein. Ah, moi j'aime ça. Ah et ouais, les gros lolos, ça te fait pas peur? Ah, ça me fait pas peur. Enfin, très franchement, ça me fait pas peur. Mais dis-moi la couleur de ta culotte, quoi. De quelle couleur? Ma culotte? Ah là, j'ai plutôt un string, tu vois. J'ai un string en dentelle rouge. Ouh là là, c'est chaud, quoi. Mais c'est toi qui as l'air chaud, Mamadou, dis donc, je m'attendais pas à ça. Ah non, moi j'aime les filles directes comme toi, quoi. D'accord. Tu vois ce qu'il avait dit? Ouais, les filles au gros lolo qui sont directes. Ouais, et ouais. Et t'aimes t'en occuper comment, des lolos? Comment? T'aimes faire quoi avec les gros lolos, dis-moi? Ouh là là, si tu savais, moi je fais un peu des maraboutages, je fais tout, quoi. Je peux tout te faire. C'est vrai, genre quoi? Parce que là, je suis chaude, là, je te le dis. Hein. Ah, je vais te faire des relaxations, je peux te toucher ça, tu fais des choses que tu ne peux même pas imaginer, quoi. Mais genre quoi? Parce que là, je te jure, je suis un peu excitée, du coup. Là c'est là. Quoi ta spécialité, si t'avais une spécialité? Ou si tu savais, je peux faire des choses que toi-même ne pouvons pas penser, mais je peux pas te dire ça au téléphone, mais tu moi, vois ce que j'avais dit. J'ai quand même envie que tu me vendes un peu du rêve, parce que j'aimerais déjà savoir si la légende est vraie au niveau de la taille de... C'est un peu indiscret, mais la taille du business, quoi, c'est comment? Ah, si tu savais, c'est assez long comme un grand fleuve. Ouais, je te dis. Comme un grand fleuve? Ah ouais. D'accord, tu me fais rêver, là. C'est long, ah, t'inquiète pas, il n'y a pas de soucis. Tu peux m'exciter un peu, là, parce que déjà, j'ai envie, là. Comment? Excite-moi un peu, là. Dis-moi ce que tu me ferais si t'étais avec moi, là, tout de suite, dans mon lit. Là, je te toucherais déjà les tétons, parce que moi, j'aime bien ça. J'aime bien toucher les D'accord. tétons. D'accord, tu les mordirais ensuite, un peu. Exactement, ouais. Je te mordirais les tétons, je te lécherais un peu. Tu sais pas ce que je vais te dire? Ouais, je vois très bien, ouais. Ah ouais, moi, j'aime bien ce genre de choses, quoi. Et après, j'espère tu ferais quoi? Ça. Ouais, j'aime beaucoup ça. Et après, tu ferais quoi, dis-moi? Ensuite, je te toucherai un peu ton popotin. D'accord, j'ai un très joli popotin. Ah, j'espère bien, ouais. J'espère mais tu sais, moi, j'aime un peu la violence, tu vois, j'aime un peu quand c'est hard et tout, tu vois, tu pourrais me faire des trucs un peu ah, comme ça. Ah, mais t'inquiète pas, je peux te sortir des grosses ceintures, des matinées, il n'y a pas de soucis. D'accord, et les bifs, tu fais ou pas? Parce que moi, j'adore les bifs, hein, je te le dis. Ah, mais bien sûr, bien j'aime sûr. J'aime bien prendre cher comme ça, tu vois, je m'imagine là. J'adore ça, je te jure. Ça t'excite un peu? Ah mais bien sûr. Ah je suis contente que tu sois célibataire, on va pouvoir s'amuser, tu vois, j'avais peur que t'aies une meuf et tout. Mais ah, c'est... Ah non t'inquiète pas. Bon cool, bah bouge pas juste parce que y a quelqu'un qui a sonné là, bouge pas hein. D'accord. Je suis à toi. D'accord. Oh merde, je suis désolée Laurence. C'est chaud. Il est à toi. C'est chaud mais c'est drôle. Oh, Laurence. Ça a bien rigolé. Ouais. Explique lui parce que... Grand popotin. Je dis quoi là? Bah écoute, t'es un enfoiré Mamadou hein. Les lolos et les popotins. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Allô? Oui. Allô? Il est là là? Oui, il est là. Allô? Non, mais Mamadou? Ouais, c'est qui là?
C'est moi. Qui toi? C'est moi, Laurence, putain. Non, je suis mais c'est pas possible. Mais c'était une merde. Mais c'est pas vrai. Il faut m'excuser, quoi, s'il te plaît. C'était juste un petit jeu de cinéma. Je voulais juste jouer. Un jeu de quoi? Mais tu te fous de ma gueule. Non, de Bouddha, s'il te plaît. Bouddha, je te laisse. Que t'arrêtes pas de me dire que tu m'aimes, que tu veux vivre avec moi, et c'est ça que je dois entendre. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends rien. Tu comprends rien, mais viens devant moi que je t'explique. Tu vas voir si tu vas pas comprendre. C'est une pourriture. Oh. Mais non. Mais il rigolait, Laurent. Il rigolait, il savait que c'était nous, il savait que c'était pour rire. Mais c'est quoi, je ne comprends pas. Si, dis que tu savais. Tu sais quoi, va trouver une autre meuf, va essayer d'avoir tes papiers avec une autre meuf. Mamadou, dis que tu savais que c'était une blague. Mais non, c'était une blague, bébé, quoi. C'était une blague. Une blague, non, mais c'est n'importe où. Mais essaye, mais, tu sais quoi, efface mon numéro. Mais non, je ne peux pas effacer, c'est ancré dans mon téléphone. Je te déteste, t'es en train de m'humilier. Mais il est sympathique, Mamadou. Il est gentil, hein, c'est il est gentil. Il savait que c'était une blague, je suis sûr qu'il a reconnu Marion. Mais il se passe quoi? Tu m'as reconnu, tu savais que c'était une blague. Mais bien sûr, c'était une blague, c'était une grosse blague même. T'as reconnu que c'était. Je voulais rigoler avec toi, bébé. T'as reconnu que c'était qui? Espèce de petit con, tu la connais, la blague là, du parachute, hein? Ouais, moi je la connais pas, moi. Non, tu vas te faire larguer, espèce de. Je pense que c'est. Tu sais quoi? T'as dit que t'avais une grosse bite, t'as rien du tout dans le froc. Il a dit que c'était un fleuve. Oui. C'est devenu une rivière en deux secondes. Tu connais mon zizi, quoi? Non, bébé, s'il te plaît, pour m'excuser, c'était une blague. Tu me dégoûtes. Je veux plus jamais entendre parler de toi. C'est une blague. Bienvenue chez toi, père, s'il te plaît. Oh non. Oh non, Mamadou, merde, achète-toi des couilles. On peut pas avoir une bite en forme de rivière, de fleuve et de rien avoir autour. Et passer à ça. Il se passe quoi là? Je ne comprends pas. Il me fait de la peine. Hein. Oui, il a un peu. Ouais. Bon, vous allez discuter en antenne. Ouais, on va vous laisser. D'accord, voilà. Ça va s'arranger. Non, mais c'est même pas la peine. Je raccroche direct, tu vois. J'ai plus envie de discuter avec toi. C'est fini. Mais c'est pas quoi. N'essaye même pas de te rattraper, c'est fini. C'est fini. Hein, tu vois, mais je t'ai présenté mes parents, putain. Mais ils sont gentils, ils m'aiment bien. Moi, j'aime bien parler avec maman et papa. Mais c'est fini. C'était juste ignoble. Non, Lolo, s'il te plaît. Non, y'a pas de Lolo, ça suffit. Oh, excusez-nous, c'est pas drôle. C'est gênant. Oh, bah non. Ah, faut arranger cette situation, les gars. Arrêtez, Mamadou. Moi, je ne comprends pas. Non, on va arranger cette situation, on va trouver une solution, on va se parler en antenne. On va se parler. Je vous fais des bisous, je vous embrasse. Mais quelle honte. Mamadou, un mot à dire? Non, je suis juste dégoûté, mais même c'était une blague. Non, il n'y a pas de blague. Je ne savais pas que c'était une blague. Je vous souhaite une bonne nuit. Marion, t'as pas honte. Je suis pas bien. Demain, on aura Jason Derulo, qui sera notre invité. Maïl et Cyrus, toutes les vidéos à mater. Et notamment, voilà, je vous envoie. Au revoir, Mamadou. Au revoir, Mamadou. Bisous, Mamadou. Au revoir. Retrouvez toutes les vidéos sur le Facebook de Koé.